La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a présidé le 4 juillet 2022 la 6e session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques en format hybride à Addis Abeba en Éthiopie et par vidéoconférence. Au terme de cette réunion, 35 ministres de la Justice des pays membres ont adopté le projet d'amendement au statut du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Ainsi, ce projet d'amendement au statut du KCM est envoyé au comité permanent de cette organisation régionale et sera soumis à la réunion du conseil exécutif qui se tiendra du 14 au 15 juillet prochain à Lusaka, capitale de la Zambie. Poste de vice et de premier vice-président étant vacant en raison de consultations en cours dans les régions du Nord et Austral, la réunion a été présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC en sa qualité de deuxième vice-présidente. Les participants se sont attelés essentiellement à l'examen et à l'adoption du projet d'amendement au statut du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Chers collègues, tel que vous l'avez énuméré, vous pouvez envoyer quand même ce petit amendement qui va permettre à ce qu'on puisse bien saisir la portée de votre intervention au secrétariat qui pourra intégrer et analyser. Il a été révélé que les experts sont parvenus à un consensus sur toutes les dispositions du projet d'amendement et qu'aucune question contentieuse n'a été renvoyée à la session ministérielle.